Lundi 25 septembre 2017, madame, monsieur, bonsoir. Nous très contents de rentrer la caillou pour première sortie télésport là sur télévision nationale d'Haïti. Bien avant nous, nous sortit n'a pas pour nous en page dans télésport là. N'a surtout passé une très très bonne semaine. Point n'a pas pour nous sur plan local et sur plan international. Sur plan local, dans occasion fête patronale Thomasin, équipe la présidence là, t'ai rencontré All-Star Thomasin. Match qui joué juin dimanche là. Et puis à l'étranger, n'a parlé basketball, gagné Carmelo Anthony qui quitte New York Knicks qui va jouer Kounia dans l'équipe Oklahoma City Thunder. Et puis dans le football, n'a pour championnat d'Espagne, n'a pour championnat d'Italie, n'a fait un coup d'œil tout sur résultat championnat d'Angleterre. N'a propose n'a tourné pour développement tout point ça à clôt. Alternative Insurance Company nous toujours à chercher moyen pour nous bailler sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires, dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Une partie d'un corps ou payer pour assurance vie a retenu un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Qu'à utiliser l'argent qui sort, si bien urgence l'hôpital, frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC crée assurance vie universelle pour être nous cas poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie n'est qu'aux dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travail pour protéger vous et puis pour kembe confiance vous. Nous tendez ça au mandé et n'a pas tiré toute limite parce que leur perdit sans fin payer ça c'est pas bon même Koulia ça fait perdre data ak data fini c'est celle digicel qui va rollover illimité sur data ak limite en écrit nouveau plan rollover avant d'y expirer et puis que tout ça en fin payer pas jamais se perdre encore allez sur application My Digicel la Koulia et puis acheter plan rollo par là digicel oh. Merci et bienvenue dans la première sortie télésport sur télévision nationale d'Haïti. Nous avons démarré sous plan local avec un dossier football. Dans l'occasion fête patronale Thomasin, équipe la présidence là, qui rencontré All-Star Thomasin jeudi dimanche 24 septembre 2017 là, dans le parc sportif là. Score final 3-1 en faveur coéquipier Nono Jean-Baptiste Thio. N'a pas vite suivre un reportage Pierre Miguel Pierre Gilles avec Junior Avril te préparé. Chaque 25 septembre marque fête patronale Saint-Vincent dans Thomasin pour célébrer la date en beauté, un match gala te réalisé entre équipe la présidence là et All-Stars qui sont une équipe qui réunit plusieurs vétérans dans Thomasin. Journée dimanche 24 septembre 2017 là dans parc sportif Thomasin.
C'est formation la présidence là qui a remporté match là 3-1 grâce à un doublé de Samuel Eli et un goal de Jovenel Moïse qui s'est petit président République là Jovenel Moïse ancien président République là Michel Joseph Martelly qui pas jamais lagué équipe rose et blanc très bon présent pour bel rendez-vous si là côté ancienne première dame République là Sophia Martelly qui était bail coup d'envoi match là équipe la présidence là qui toujours fait parler d'Eli chaque côté le passé t'es montré le très patient pour te prendre contrôle match football là dans une action collective. Ancien président Michel Joseph Martelly servit Jovenel Moïse, petit président Jovenel Moïse là, qui l'ouvrit ce match là suite à un intérieur pied droit qui était quitté gardien qui Paul Stas là sans réaction dans 26e minute duet là et premier mi-temps en cours de football là t'est fini 1-0 dans avantage équipe rose et blanc dans deuxième mi-temps match football là équipe vétéran Paul Stas là qui était la Kaili devant public lui t'est tenté à plusieurs reprises pour te jouer une égalisation hein. Équipe la présidence là qui était paraît trop fort pour formation Paul Stas là te jeune chez Mefiler pour une deuxième fois par Samuel Eli dans 56e minute duet là côté défense équipe adverse là a été désorganisé un petit après Samuel Eli t'a pas marqué un autre goal pour inscrire double personnel dans match là pour mettre score 3-0 en avantage coéquipier Ronelson yo malgré la présidence t'a mené sous les 3-0 équipe All Stars là pas découragé yo t'a réduit score match là suite à un ballon qui t'a frappé dans main une défenseur équipe la présidence là côté arbitre central là t'a bail penalty pour équipe locale là Jonas Alexandre a transformé penalty en goal pour All Stars et match a été fini 3-1 avantage formation la présidence là. Le match a été vraiment belle, il était vraiment démarré avec chaleur mais la présidence les dépassé nous. Je pense une prochaine fois, on a quelque chose pour faire la différence. Le football là qu'on est gain perdant, gain gagnant. De voir jouer pour qu'on est faut qu'à accepter défaite. Défaite là dans football là, c'est pas de gain défaite, pas de gain gagnant. Au samedi là ça a dit défaite là c'est manque de préparation et n'ego fait changement un petit genre un petit peu drôle mais quand même quoi quand même ça va marcher la prochaine fois. Jovenel Moïse qui c'est petit président République là Jovenel Moïse pas de cacher satisfaction après victoire ça. C'était un plaisir, c'est un bagage extraordinaire, on était bien content participer à une activité ça, son activité sociale qui est intéressant en pile parce que là permet que société hein, communauté monde dans Thomasin yo bénéficier d'un plaisir. On se fait un environnement qui calme, qui paisible. Côté que nous jouons au football, nous rencontrons plusieurs monde, nous parlons. Et puis bon, moi, je dis que Thomas, si vous voulez dégager, vous mettez garçon sur la prochaine fois pour vous battre nous. C'est ça, le football, c'est faut qu'on gagne, faut qu'on perde. Et puis je dis, nous avons une chance pour nous gagner. Thomas, c'est un peu le jeune garçon. La présidence, là, je n'ai commencé à monter. Nous avons besoin de soulage femme. Et ce qui veut dire mobilité en tous les moins. Ça qui fait que possession de balle et rapidité, c'est surtout côté négio. Mais nous sommes assez efficaces pour nous gagner aujourd'hui, hein, donc c'est ça qui compte. Nous avons signalé, l'équipe de la présidence là a bien plusieurs tournées la fin dans le pays étranger. Côté la bien pour le rendre en République dominicaine, 15 octobre, qui a venu là. Et la bien pour le rendre également en France, dans une date qui n'est pas trop loin. Après rencontre là, collaborateur nous, Pierre-Miguel, Pierre-Gilles, a enregistré plusieurs réactions. D'abord, Roro Nelson, qui s'est joueur, en même temps responsable équipe la présidence là, t'es exprimé dans Miko Tenach. Entendez comment t'es parlé? Je suis content aujourd'hui. Ou même nous, ça, quand devin jouer Thomasin, premièrement, zone dans ces zones, président Michel Martelly. C'est président Michel Martelly qui fait terrain. Il t'a demandé nous pour nous devin jouer là. Nous devons jouer à Kiskeya l'autre jour, nous avons calé nous. Nous avons un bel match, côté public là déplacé, malgré que nous avons dépassé et plus en foule. Mais nous avons l'appui qui a été pendant près de 2 heures de temps. Mais quand même, et c'est une victoire méritée. Et l'essentiel, c'est participer avec le public là et participer avec le vétéran Thomasin. Moi, personnellement, je remercie pour tout bien ça que vous mettez sur le terrain. Mais quand même, finalement, deux jours en jour, l'équipe a marché de mieux en mieux, donc je vais adapter au plus. Bon, l'équipe va le voyager. L'équipe va le voyager. Si je joue pas dégager, je mets un diapason. C'est pour Malo. Et en 2015, nous allons aller à Saint-Domingue, nous allons jouer dans Bataille, nous allons jouer dans la capitale Saint-Domingue. Tout. Et entre 28 et 29, et on va à Paris. On va à Paris. On aura la chance, au moins, de voir le meilleur joueur du monde actuel. Le Brésilien Neymar. N'a bien chance pour nous, monsieur, parce que nous allons jouer avec les vétérans de Paris Saint-Germain. Même Badi, monsieur, a joué. Mais monsieur, il y a une chance pour l'assister. Et Macha, et s'il voulait jouer, tout n'a pas joué. Donc, pour nous terminer, ce second bagage que vous avez dit, que vous n'avez pas mentionné, c'est que ça le tapis. Et
Kébé là, Kébé ferme. Même les seins dehors de sport. On nous mette tête ensemble. Nous tous sommes seul pays, une seule nation. On nous mette tête ensemble. Ça qui peut être étonné, nous, que c'est moi qui ai dit. Mais nous pouvons aller jeudi, nous pouvons aller demain, c'est même aller. On nous tous haïtiens, on nous rejoint nous seul côté. Avec le sport, c'est ça qui rend le cœur sain et corps sain tout. Nous pouvons aller plus bien et nous avons Haïti meilleur. Voilà, bon côté Paris, ancien président républicain Michel Martelly déclaré que c'est une satisfaction pour lui du fait que lui retourne dans l'équipe là. Une initiative que le prend le lit président. Entendez comment ancien président républicain a réagi dans Miko TNH. Football, c'est toujours un moment de détente. Bien sûr, pour moi, j'aime plus que ça. Parce que pour moi, je viens là vous dire cette opportunité. Pour me dire, ouais, belle infrastructure sportive, ça, qui là. Parce que je participe dans n'importe 10 à 15 championnats à la boule. Dans la jeunesse, même été dans la zone. Et donc, je connais qui est atterré. Donc, pour me venir jouer là, ça fait plaisir en pile. Et sous bon gazon, ça. Et football là, il est plus que détente, j'aime dire là. Il réunit des gens, ils sont ambiance saine. Ou il y a des gens qui font des déplacements. Vin garder vedette, vin garder artiste, garder président, moun ki aime boule. Nous avons de grands voix là, gante colline qui là, ou international. Et public là, détente ni. L'équipe ça, tout son équipe qui toujours a poté détente à travers le pays d'une part, et même au niveau international. L'équipe ça a parti assez souvent, à dans les championnats, ou bien à faire des rencontres de haut niveau. Donc, son plaisir vous dire pour me profiter du fait que Jazz Soutmi qui n'a pas joué. Et ancien président libre, donc je vous dis à me rejoindre l'équipe, c'est moi qui fais l'équipe ça, me rejoindre l'équipe pour nous venir faire une distraction dans Thomas 25 pour le plaisir des amants du football. En tant qu'ancien footballeur, président Martelly, physiquement, était top. Physiquement, était top. Je ne voulais pas continuer à vous dire parce que moi-même, je suis un mois et demi ou deux mois que je n'ai pas couru. J'étais en tournée, j'étais en paquet d'efforts physiques, c'est vrai. Mais muscles pas nécessairement, je ne courir, pas bouger pour autant. Donc je dis, je ne pas être là, je fais 30 minutes et puis je campe. Même je crois que si on l'autre match dimanche prochain, je vais dans l'équipe là parce que l'équipe là, c'est l'équipe. Donc finalement, on a terminé, la présidence met de côté sous support président Martelly. Oh, certainement, certainement. L'équipe là, c'est l'équipe. Moi, depuis au besoin, je suis disponible, je suis toujours là. D'ailleurs, il y a un bon travail. Tout. Mais chaque côté est allé, il fait discipline dans rayonner, il fait des interviews pour inciter jeunesse, la vraie boule. Il faut dire que le football est un gros business lié à travers le monde, autant de combien centaines de millions qui ont déplacé avant même que Neymar change d'équipe, combien centaines de millions de dollars qui ont. Donc, nous avons intérêt pour nous-mêmes, jeunes qui ont talent, ça, pour nous rester prêts au football là, on va connaître ça la pote pour demain. Voilà, on a toujours parlé football, championnat national de première division. C'est clôture en troisième journée. Hier, dans le stade Silvio 14, Racing Club Haïtien fait match nul 0-0 avec Association Sportive Capoiselin ASC. On a profité de communiquer tout l'autre résultat. Real Hope Academy du Cap Haïtien bat América de Cali. 3 goals à 1. Éclair des Gonaïves bat Juventus de Cay 2 à 1. AS Mirbalet bat Don Bosco de Pétionville 1 goal à 0. Baltimore Calais Rouanamet 1 goal à 0. AS Sud-Est ak Tempête fait 0-0. Fika ak Racing des Gonaïves fait 1 à 1. Et puis match Petit Gouave FC contre Cavalier de Léogane, pas arrivé jouer. C'est un match qui est programmé, alors qui pral programmé pour une nouvelle date. Yon idée sous classement après troisième journée. Real Hope Academy du Cap Haïtien en tête avec 7 points, goal différence plus 3. Baltimore deuxième, Ligue 1 7 points tout, même j'ai avec Real du Cap, Ligue 1 goal différence plus 2. Troisième, Éclair des Gonaïves, 6 points. Quatrième, AS Mirbalet, 6 points tout. Cinquième, Fika, 5 points. Et puis, en 14e position, nous retrouvons Don Bosco avec 2 points.
15e Petit Goave FC qui gon match en retard, li gagne yon point. Et puis 16e et dernier, Rouenamet FC li gagne yon seul point nan classement. Et puis classement général présenté comme ça, en première position Real Hope Academy du Cap-Haïtien, li gagne 35 points, deuxième Racine des Gonaïves 32 points, troisième AS Mibale 30 points, quatrième Fika 29 points, cinquième AS Sud-Est li gagne 27 points, en 13e position et nous jeune América des Cayes avec 19 points, 14e position Don Bosco li gagne 18 points, 15e Cavali 18 points tout, et puis dernier, 16e, CASC du Cap-Haïtien, le classement général qui gagne seulement 16 points. Et c'est avec résultat et classement championnat national de première division que n'a pas bouclé première tranche de télésport. Le nouveau tourné n'a pas les championnats d'Espagne, championnats d'Italie, basketball NBA, n'a pas les tours tennis. N'a pas une deuxième pause, n'a pas tourné. Dans Alternative Insurance Company, nous toujours à chercher moyen pour nous bâtir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protège ou avec famille ou dans affaires, dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou avec l'autre dette. Yon partie d'un corps ou payer pour assurance vie a retenu un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Qu'à utiliser l'argent qui sort si gagne urgence l'hôpital, frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC créé assurance vie universelle pour être nous capables et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie n'est qu'aux dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travail pour protéger vous et puis pour kembe confiance vous. Dim, combien fois a pris pour nous sur Facebook ou a parlé aujourd'hui ou bien ou a parlé une story et puis bam, méga bail tout fini. Eh bien, na comment nous sont problème ou fini. Tout sim na comme yo vini kounyan ak 3 mois méga bail pour Facebook gratis. Ou t'es besoin changer compagnie? Eh bien, sort up ton. The future is now. Let's go. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour. Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet, N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet. Solide coup, wash. Désirable. Bienvenue dans la deuxième partie télésport lancée sur télévision nationale d'Haïti. Nous avons démarré avec basketball. Et bien même avec football, des transferts qui ont fait dans un championnat basketball nord-américain NBA. Jean Saté annoncé, Carmelo Anthony quitté New York Knicks pour le rejoindre et Thunder d'Oklahoma City. Carmelo Anthony pourra jouer avec Russell Westbrook et Paul George dans un 5 très offensif. En échange, franchise New Yorkais récupéré Enes Kanter, Dirk McDermott et un deuxième tour dans Drive 2018. Carmelo Anthony gagne à 33 ans. Monsieur mesure 2m03 qui baille 6 pieds 8. Eh bien, Carmelo Anthony pral connaît une troisième franchise dans la carrière après Denver Nuggets et New York Knicks que l'été poté couleur li et depuis 7 ans. Donc, Carmelo Anthony a signé un contrat dans New York Knicks de 2010 à 2011 et il mettait fin dans le contrat li pour l'année 2017. Lan. Carmelo Anthony pral jouer dans Oklahoma City Thunder à côté de Russell Westbrook. Toujours dans basketball NBA, selon la presse américaine, Dwayne Wade libéré de contrat li avec Chicago Bulls.
les Chicago Bulls et Dwayne Wade mettaient d'accord pour mettre un thème dans contrat arrière de 35 ans, souvent blessé dans la dernière saison. Yo, vétéran Dwayne Wade, eh bien, est trois fois sacré en NBA, t'a semblé accepter, renoncer à un parti dans 23,8 millions de dollars que t'a doué toucher pendant la saison 2017-2018. La franchise ville natale Dwayne Wade, eh bien, bali possibilité pour l'engager librement avec franchise que li vle. Et Dwayne Wade pressenti pour le rejoindre Miami, équipe que le champion avait en 2006, et ensemble avec LeBron James. Il a souhaité tout aller dans Cleveland et gagner San Antonio Spurs qui sous liste là tout pour ta gagner Dwayne Wade qui gagne 35 ans, qui déjà remporté 3 titres NBA dans la carrière. Alors, de basketball, on a enchaîné avec tennis. Eh bien, c'est un bel rêve qui vient réalité pour fanatiques surtout. Eh bien, puisque pour la première fois dans le Lever Cup, il y a une compétition exhibition qui était mettée aux prises tennismen européens face à une équipe reste du monde sur un format qui rappelait Ryder Cup en golf. Eh bien, Rafael Nadal et Roger Federer étaient partenaires en double. Un projet de compétition qui capable concurrencer Coupe Davis là, eh bien, t'es fait le plein dans et au de Arena de Prague, côté plus passé 16 000 spectateurs t'es massé pour admirer meilleur tennisman dans le monde là, en l'occurrence Roger Federer et Rafael Nadal. Opposé au duo américain Sam Curry et Sock, Nadal et Federer remporté match ça en trois manches. Ils ont remporté en trois manches malgré quelques ratés et au manque d'automatisme. Eh bien, Rafael Nadal à Roger Federer est arrivé imposé. Yo, Nadal et Federer c'est carrément 35 titres Grand Slam qui étaient côte à côte, même si Roger Federer Roger Federer lui-même qui bat victoire finale à joueur européen yo et après succès li sous australien Nick Kyrgios dans dernier match là. Faut nous préciser que édition en 2018 là a bien pour fête dans United Center de Chicago, yon salle qui capable accueillir 23 500 spectateurs. Voilà Rafael Nadal et Roger Federer pour la première fois qui te retrouvé en double pour te jouer et bien Lever Cup là. Donc yo te dominé Sam Curry et Sock père américain là, mais Roger Federer pral gagner dernier match là pour remporter finale là et bien sous australien Nick Kyrgios. Donc Roger Federer et Nadal et bien en pile monde te prend plaisir pour les deux joueurs qui t'a joué en double. Vraiment yo te créé en pile spectacle, en pile ambiance. C'était vraiment une belle fête lors du tournoi ça qui remporté par européen yo Roger Federer et Rafael Nadal. De tennis n'a pas enchaîné avec football championnat d'Espagne. Week-end, ça, c'était 7e journée. Eh bien, alors, 6e journée, puisque FC Barcelone continue à gagner. Barcelone gagne équipe Girona, 3-0. Et c'est un autogol. Nous pouvons laisser au centre de Alba. Ballon joué dans le pied à Adai Benitez Carabayo. Li trompé gol qui peut aller à la 17e minute de jeu. Deuxième gol lancé Alex Vidal qui pral faire et talonanza. Ballon pral dévié dans pied Gorka Iraissos. C'est un deuxième autogol. Ça fait 2-0 pour Barcelone. Et puis, yon en centre de Sergi Roberto. Luis Suarez pral manquer. Troisième gol. On pral voir que même passe Sergi Roberto. Hein? Luis Suarez pral ranger gol. Et li est manqué troisième golan pour Barcelone. Barcelone, Calais, Girona,
3-0 avec 2 autogols. Francisco Adai Benitez Caraballo marqué contre Canli. Goka Iraissos marqué contre Canli. Et Luis Suarez qui a fait 3e gol. Real Madrid souffre devant Alaves, mais il gagne quand même. Nous prenons le premier gol. C'est Marco Asensio qui joue Daniel Ceballos. Ceballos pour ouvrir ce score en 10e minute de jeu. Et puis Mounir El Adadi pour réaliser un bon centre. Et c'est Manu Garcia qui pral joindre égalisation avant et fin mi-temps. Donc 40e minute de jeu. 40e minute de jeu, ça fait 1-1 but de Manu Garcia. Et puis Daniel Cavaral pral centré. Et puis ballon dévié. Et c'est Daniel Ceballos qui à peine arrivé dans l'équipe Real Madrid là. Transfuge du Real Betis. Monsieur pral joue un rebond. Dani Ceballos pral tout mettre d'au pied. Dani Ceballos fait un doublé. Ça permet à Real caler à la verse 2-1. Nous avons occasion ça. Donc, de Cristiano Ronaldo qui pas joué un wood filet. Ça, c'est encore Cristiano Ronaldo qui fait et frappe gauche ça. Mais ballon en pat joine route filet pral bon centre ballon repoussé et là pral gagner frappe ça qui dévier qui écraser sous bas transversal là. C'était un match riche en action, riche en rebondissement, mais score final là était 2-1. Nous ouais action ça encore de équipe à la veste, vraiment Real te connaît en pile problème contre Alaves, mais Real, champion en titre, gagné Alaves 2-1. Diego Costa tourne au bercail. Nous savons que monsieur était dans Atletico, là, il est dans Chelsea. Tourne au bercail, Diego Costa. Et là, pour gagner première occasion, ça, nous, frappe qui allait dans base Potokan après que il finit dévié dans pied en défenseur. Nous, dans match Atletico Madrid contre FC Séville. Et puis là, c'est Yannick Ferreira Carrasco. Et donc, il pral joindre Antoine Griezmann. Alors, Philippe Louis, de préférence, qui mettait frappe-là, ballon allé dans V1, Lipagol, Philippe Louis, brésilien. Et puis, pral gagner attaque ça. On passe pour Yannick Ferreira Carrasco. Et c'est pral premier goal match-là, signé Yannick Ferreira Carrasco, qui manquait à la 46e minute de jeu. Monsieur bat joueur FC Séville Steven Nzonzi. Et puis Monsieur Pral mettait ballon dans le filet malgré sortie goalkeeper là. Yannick Ferreira Carrasco ouvre score à la 46e minute de jeu. Et puis là, Pral gagne, yon on tacle. Ballon toujours pour équipe Atlético Madrid là. Et c'est Philippe Louis qui pral joindre Antoine Griezmann. Antoine Griezmann pral manquer à la 69e minute de jeu. Frappe dans le fond de jeu goalkeeper là. Ça fait 2-0 pour Atlético Madrid qui gagne FC Séville. Antoine Griezmann te marqué 2e goal. Alors, dans le classement, et Barça en tête. Barcelone gagne 6 matchs. Ça fait 18 points. Atlético Madrid 2e, 14 points. FC Séville, malgré défaite, il était 3e avec 13 points. Valence 4e 12 points, Execo avec Betis Séville qui gagne 12 points tout et puis 6e Real Madrid qui gagne 11 points dans le classement, un classement buteur qui surtout dominé par Messi avec 9 goals, Simone Zaza gagne 5 goals, gagne Maximiliano Gomez qui gagne 5 goals tout, mais c'est un classement buteur qui dominé par l'Argentin Lionel Andrés Messi avec 9 réalisations. On allait en Italie, Juventus tout a comporté très bien dans la Serie A italienne, tout comme Napoli. Juventus crasé Torino 4-0 dans le derby turinois. C'est Argentin Paolo Dybala en très grande forme pour début de saison qui pral manquer la frappe très puissante à la 16e minute de jeu. Paolo Dybala manqué. Et puis, Roncuadado pral jouer Miralem Janic. Miralem Janic pral couper ballon ça. Nous pral jouer action au ralenti, mais contrôle Roncuadado qui fait en retrait. Monsieur tout coupé Miralem Janic. 40e minute de jeu, ça fait 2-0. Et puis, pral gagner Miralem Janic qui bute, double passeur, qui pral botte connaissant. Alexandre Brésilien fait 3-0. Et puis, Gonzalo Higuain pral permettre à compatriote li Paolo Dybala fait un doublé. Doublé ça, mettez Paolo Dybala à 10 goals dans le classement buteur. Vous capable de comprendre ça?
5 matchs, 10 goals pour Paolo Dybala, qui est en très grande forme, tout comme Messi. Nous nous parlons 2013 contre Napoli. C'est M. Spal 2013 qui ouvre ce goal en passe de Mico Antenuco Pasquale Chiatarella pral ouvre ce goal. Oui, goal de Pasquale Chiatarella pour Spal 2013, 13e minute de jeu. Et puis Napoli pral égalisé. Wong Maria, Jose Maria Caïron joint Lorenzo Insigne qui fait belle reprise. À Lorenzo Insigne égalisé pour Napoli. Napoli pral prend avantage là sous on passe de Faouzi Goulam. Jose Maria Caïron de la tête fait 2-1. Et puis un superbe coup franc, vraiment magistralement bien botté. Goalkeeper arrêté verrouillé sous ligne de but. A salué ballon qui a entré dans le camp. Monsieur Relé Federico Viviani qui fait bel goal coup franc à 78e minute de jeu. Et puis, Kalidou Koulibaly pour permettre à Faouzi Goulam. Faouzi Goulam était déjà passeur. Faouzi Goulam pour bien buteur. Donc, Napoli, Calais, Spal 2013. 3-2 dans le week-end. Nous à présent un match Roma contre Udinese. C'est pour le premier goal match là pour l'équipe Roma. Radja Nainggolan, monsieur Goumé à terre. Nous parlons ça au ralenti effort Radja Nainggolan non. Monsieur Goumé à terre. Nous mené Radja Nainggolan dans mi-temps au moins 3 joueurs, monsieur Goumé il joue Edin Dzeko. Edin Dzeko pour faire 1-0-1 et puis Edin Dzeko pour le passer pour Stéphane El Shaarawy, mais centre Edin Dzeko hein. Stéphane El Shaarawy tout fait déviation. Bon bagay, c'est du grand art, mais passe là pour Edin Dzeko fixé, lui fait crochet contre crochet, lui centré, belle déviation, monsieur. Monsieur Negan, pe bel goal pour avant mourir, 2-0 pour instrument, Stéphane El Shaarawy marqué, et puis gâte à Ariel. On est payé chaque mois. Monsieur Relé, vraiment, et James Tracker et Larsen, monsieur Abdormi, Stéphane El Shaarawy passe le premier ballon, il prend le manqué, ça fait 3-0. Et puis, même James Strigger, l'ancien qui te fait erreur là, eh bien, c'est lui-même qui prend le joindre, réduction score là. Là, nous avons action ça, qui pas de goal sous lui, on passe en profondeur. Et puis là, et monsieur prend le manqué, monsieur Relé, James Strigger, l'ancien. Monsieur prend le manqué pour équipe et Udinese, hein, voilà, passe en profondeur. De Bram Neutink, et c'est Bram Neutink qui fait passe pour James Trigger Larsen qui réduit ce score à 3-1. Donc, à Instrument, Calais Udinese 3-1. Rapidement, l'autre résultat, yo, Milan perdu devant Sampdoria de Gênes 2-0. Et Las Véron prend 3-0 dans le Lazio. Et Inter de Milan, Calais Genoa, yon goal à 0. Fiorentina et Atalanta fait 1-1. Et Napoli à Juventus partagé tête classement avec 18 points. Inter de Milan 3e 16 points. 4e Lazio 13 points. Roma 5e 12 points. Milan li 6e avec 12 points. C'est Paolo Dybala qui a commandé tête classement habituel avec 10 goals. Et puis nous connaissons demain et mardi. Avec mercredi pour gagner deuxième journée phase de groupe Ligue des Champions. À Barcelone contre Sporting en Portugal. Mais tout match farlant affiche alléchante. C'est Pral Bayern Munich contre l'équipe de Neymar, à savoir Paris Saint-Germain, dans la deuxième journée phase du groupe Ligue des Champions. Et c'est là tout, madame, monsieur, n'a pas fermé Télésport pour un souhait. Merci à Antonin Lundi, Jean-Maurice Saint-Sincère, Pierre Richard, Sifar, Farah Rodney et notre réalisatrice Guérina Faubert. Non pas M. Pierre Jérôme. Retrouvez Guy Petit Frère demain soir pour deuxième sortie Télésport sous Télévision Nationale d'Haïti. Bye bye tout le monde, à la prochaine.